Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui j'ai le Samsung Galaxy Z Fold 2 en main et bon sang, c'est une sacrée évolution par rapport au premier modèle. Aujourd'hui, on va voir si on est enfin sur le modèle viable de smartphone pliable. Bon, en vrai, je fais semblant de parler mais je tourne cette voix après ma visite chez Samsung donc bon, bah je suis en voix off. Mais avec le masque, on aurait pu avoir l'impression que je parlais en vrai. J'espère que je vous ai bien prank. Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est là pour remplacer le Galaxy Fold sorti l'année dernière. Vous savez, ce fameux téléphone qui avait eu assez mauvaise presse à cause d'une partie de l'écran qui ressemblait à un film de protection et qui pouvait être retiré avec un peu d'insistance, ce qui rendait en fait l'écran en question inopérant. Et à plus de 2000€, bah on l'avait un peu mauvaise. Après ce tollé, le smartphone était ressorti avec une version update et est maintenant remplacé par ce nouveau modèle. On peut d'ailleurs remarquer le Z dans le nom qui n'était pas là lors du smartphone de l'année dernière, mais qui est présent dans le nom du Galaxy Z Flip, le petit smartphone pliable. Et ce n'est pas anodin car ce smartphone reprend des caractéristiques des deux smartphones mais montre aussi une envie d'avoir une gamme Z spécifique au smartphone pliable. On retrouve les caractéristiques qui sont là pour conforter d'ailleurs dessus, hein. Une grosse batterie de 4500 mAh pour tenir les deux écrans, une charge rapide de 25 watts en filaire et 15 watts en sans fil, des tests démontrant qu'on peut plier le système environ 200 000 fois avant d'y voir des symptômes de fatigue, ce qui représente 100 ouvertures et fermetures par jour pendant 5 ans, ou encore le Gorilla Glass Victus pour s'assurer de la solidité de l'écran. La première grande nouveauté qu'on peut tout de suite voir, c'est l'écran externe qui est maintenant beaucoup plus grand et qui peut être enfin être considéré comme un vrai écran. Avant, il était assez compliqué d'utiliser le smartphone replié au vu de l'écran minuscule qu'on pouvait retrouver à l'avant, mais ici on est sur une dalle super AMOLED de 60 Hz Full HD+ de 6,2 pouces avec un ratio 25:9, et vraiment ça fait super plaisir d'avoir enfin ça ici. Maintenant le smartphone peut être facilement utilisé juste comme ça pour des tâches légères et ne pas juste servir d'écran de notification. Au niveau de l'écran interne principal, pas de changement majeur, on enlève tout de même le gros bloc photo qui prenait pas mal de place et ça nous permet de gagner en espace, ce qui fait qu'on a presque toute la surface qui est un écran, à l'exception d'un point sombre pour la caméra. D'ailleurs, il y a deux poinçons sur ce smartphone, hein, un sur chaque écran. Pour les caractéristiques ici, on est sur du dynamique AMOLED 120 Hz Quad HD+ de 7,6 pouces avec un ratio 5:4. Mon seul regret est qu'on ne peut pas utiliser l'écran en 120 Hz et en QHD+ en même temps. Il faudra faire un choix. Et certes, ça consommerait pas mal niveau batterie d'avoir les deux d'active en même temps, mais je trouverais ça sympa d'avoir quand même le choix de le faire avec la connaissance des risques. Surtout qu'au niveau puissance, il n'aurait pas de problème à gérer tout ça à mon avis, au vu du Snapdragon 865+ qui a la bête, l'un des tout derniers processeurs Qualcomm qu'on trouve sur la plupart des smartphones haut de gamme de cette année. Une des autres principales nouveautés est le système d'ouverture qui est beaucoup plus malléable. Avant, il n'y avait que deux statuts possibles, fermé pour utiliser l'écran externe et ouvert pour l'écran interne. Ici, on va pouvoir choisir le degré d'ouverture et du coup l'ouvrir comme on veut, ce qui peut être pratique pour par exemple utiliser l'écran externe en mode tente, mais aussi utiliser l'interne comme sur une sorte de tout petit mini PC, avec l'interface qui va comprendre que le smartphone est dans cette position et va séparer les éléments sur l'écran pour ainsi ne pas avoir une image coupée en deux. Après, bien sûr, ça va dépendre des applications et donc la plupart des jeux ne feront pas le split, mais je trouve ça grave pratique pour certaines utilisations, genre une vidéo YouTube pour y avoir le contenu sur une partie et les commentaires sur l'autre. La contrepartie à ça est que l'écran est plus difficilement ouvrable, je trouve, et donc réussir à déballer le fold à une main est devenu encore plus compliqué. Après, vu que l'écran frontal est assez grand, il y a beaucoup de cas où on n'aura pas besoin de l'ouvrir tout court, donc voilà, mais c'est quand même quelque chose à notifier. Le passage d'un écran à l'autre est d'ailleurs extrêmement fluide. Le contenu va passer sur l'écran que vous utilisez et va adapter son format. Et j'ai pas rencontré de bug d'utilisation sur les quelques tests que j'ai pu faire. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que ça refresh TikTok quand on passe de l'un à l'autre. Mais à part ça, c'est vraiment extrêmement fluide. On n'est pas là à attendre 10 ans pour passer justement de l'écran externe à l'écran principal. On peut donc avoir son smartphone dans sa poche, qui d'ailleurs est certes un peu plus épais que la moyenne, mais ne galère pas non plus à rentrer dans mon pantalon dans mon cas. Le sortir pour regarder du contenu sur l'écran de base et étendre ce dit contenu ultra simplement. Et donc, on n'est pas là à galérer 100 ans à faire des transitions. Au niveau logiciel, c'est vraiment très très propre et très très fluide. D'ailleurs, le logiciel qui est sous One UI, la surcouche de Samsung, permet de faire du multitâche sur l'écran principal en découpant l'écran en 3 parties distinctes pour ainsi y mettre 3 applications en même temps et avoir une navigation plus fluide. Derrière, on peut carrément sauvegarder des configurations pour les lancer rapidement et donc avoir par exemple l'appareil photo dans un coin, un réseau social dans un autre et pourquoi pas la recherche Google sur le reste. Au vu de la taille de l'écran, tout ça est facilement utilisable et on ne se sent pas trop serré. Niveau caméra, on en a pas moins de 3 sur le bloc photo, ce qui nous monte à 5 avec les deux poinçons. Au niveau de ce qu'on a avec les mégapixels, les poinçons sont tous les deux des capteurs de 10 mégapixels avec une ouverture de 2.2. Et pour le bloc, nous avons un ultra grand angle de 12 mégapixels aussi à 2.2, un grand angle de 12 mégapixels à 1.8 et un téléobjectif aussi de 12 mégapixels à 2.4. Pas les plus gros mégapixels donc qu'on peut voir sur des smartphones, mais c'est pas ça qui fait toute la qualité des photos, car la qualité du capteur et le logiciel derrière comptent pour beaucoup. Et en général, Samsung fait du très bon taf sur ces derniers.
dernier modèle à ce niveau-là. Mais ça reste quand même une des plus grosses déceptions que j'ai sur ce téléphone, parce que en fait, les caméras sont semblables à celles qu'on peut avoir sur le Galaxy S10 Plus. Et attention, je dis pas que ces caméras sont mauvaises, parce qu'elles sont très bonnes. Je dis pas, mais au prix auquel ce smartphone est vendu, on pourrait vraiment s'attendre à la crème de la crème. Néanmoins, on profite tout de même des dernières mises à jour logicielles et les caméras avaient l'air de donner des résultats tout à fait sympathiques. Après, pour voir ça plus en détail, il me faudrait un peu plus de temps avec la bête que cette simple prise en main. Et le prix de tout ça, eh bien 2020€, exactement comme le premier Galaxy Fold, ce qui en soi est une bonne surprise, hein, parce que je m'attendais à ce qu'il soit vraiment plus cher et au moins à 2500 balles, comme le Huawei Mate XS, et vu les évolutions, ça n'aurait pas forcément été surprenant. Par contre, on a quand même beaucoup moins d'accessoires coûteux de fournir avec. On avait par exemple les Samsung Galaxy Buds qui étaient avec le Fold, qui coûtent normalement 150€, et ici on ne les a plus, juste les écouteurs de base. Et d'ailleurs, en parlant au niveau son, eh bien on est sur du stéréo au niveau des haut-parleurs, mais bon, je pense qu'il n'était pas nécessaire de le préciser pour un téléphone de cette gamme. Il y a d'ailleurs qu'une seule version de vendue, avec 256Go de stockage et 12Go de mémoire vive, avec néanmoins un choix parmi deux couleurs, le noir brillant qui garde toutes les traces de doigts qu'on adore, et le bronze qui est un petit peu plus sympa à mon avis. En conclusion, eh bien c'est vraiment un téléphone que je trouve super intéressant et novateur, et j'aimerais bien en faire un test un peu plus approfondi, car cette première mise en main m'a vraiment intrigué sur les utilisations possibles d'un tel appareil. Avec ça, on pourrait limite totalement se passer de tablette, et là où le premier modèle n'était pas vraiment utilisable en plié pour la vie de tous les jours de façon pratique, ici je pourrais carrément me voir l'utiliser sans le déplier dans pas mal de cas de la vie de tous les jours, donc à voir ce que ça pourrait donner. Mais d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse vraiment que je teste un smartphone du style de manière quotidienne. Les points que je trouverais intéressant d'améliorer seraient par exemple les caméras, car c'est vrai que j'ai été un peu déçu de savoir que ce n'était pas les caméras du Galaxy Note 20 Ultra, et un smartphone à ce prix là, on pourrait s'attendre à avoir le top of the pop, quitte à peut-être payer un peu plus cher, je veux dire, à ces gammes là de prix, on n'est plus à ça près. Le second point que je trouve dommage, c'est d'avoir laissé un poinçon sur l'écran interne, car en soi, il n'est pas vraiment très utile, je trouve. En effet, on peut facilement faire des selfies avec la caméra externe en utilisant l'écran de retour, et les photos seront bien plus belles. Autant le poinçon de l'écran frontal, pourquoi pas pour garder tout ce qui est déverrouillage facial, mais sur le principal, à part pour avoir une caméra lorsqu'on le plie pour faire de la visioconférence, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Surtout qu'on pourrait faire ça en mode tente avec celui de l'écran externe. Donc, bien sûr, ça rajoute une caméra dans le compteur de caméra, j'imagine que ça fait plus joli sur le papier. Mais bon, je trouve que c'est un peu bête de l'avoir laissé, quoi. Malgré tout ça, je suis content de voir encore une évolution au niveau du pliable, et peut-être qu'un jour, ça sera la norme. Bon, pour ça, faudrait réussir à diviser le prix par 4, mais au moins, c'est un début. Et vous alors, vous en pensez quoi de ce Galaxy Fold 2? Est-ce que c'est le premier modèle pliant viable pour vous? Et est-ce que vous seriez prêt à mettre autant d'argent dans un smartphone? Eh bien, j'attends vos retours en commentaire. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à plier votre doigt pour pouvoir cliquer sur le pouce bleu de l'amour qui se trouve sous cette vidéo, et bien sûr à venir me follow sur tous les réseaux sociaux de l'internet. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à tous vos amis qui kiffent les nouvelles technologies, et bien sûr, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître au milieu de l'écran. C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut !